Bonjour, bonjour, petit déj artistique. Adam, il prend son petit déj et il dessine. Il adore dessiner. Ce matin, c'est Shadow. Je lui ai dit, c'est Sony qui s'est fâché. Il m'a dit, non, celui-là, c'est Shadow. C'est très, très beau. Tu peux me montrer? Waouh! Attaque le repas. Je vais commencer par le hmus. Moi, je le fais au four, hyper simple. J'épépine tout, les poivrons, les tomates et puis l'huile d'olive. L'huile d'olive de chez nous, de Georgia. Ça vient de chez Meziana. Toutes celles qui sont aux États-Unis et au Canada, vous cherchez des produits maghrébins, tunisiens, marocains, algériens. Meziana Brand, ils ont vraiment tout. Checkez leur page pour voir les magasins là où ils livrent à côté de chez vous. On passe le sherba. Qu'est-ce que Ramadan sans sherba? D'ailleurs, vous êtes plutôt sherba frik, sherba vermicelle ou harira. Donc, ça va être sherba frik. Tout ce que vous voyez comme produit ici, semaine, nana séché, le frik, tout vient de chez Meziana Brand. Pour le deuxième plat, chez nous, c'est une tradition. Le premier jour, c'est toujours kebab. Une bonne sauce blanche au poulet, oignons, pois chiche, et puis on l'accompagne avec des frites. Là, je vais attaquer mon tagine lahlou. Hier, maman nous a fait le vrai lahm lahlou avec la viande et tout, mais mon mari le préfère sans viande, donc je vais faire un tagine lahlou. Je vais vous montrer un petit peu ma technique, comment je fais avec les fruits, le sirop et surtout comment je décore l'assiette. La première des choses que je fais, c'est que je lave bien sûr tous les fruits secs et après je les fais cuire à la vapeur et je sépare toujours les pruneaux du reste, comme ça on a un sirop bien clair, pas trop foncé. La règle pour le sirop, la même quantité de fruits, j'avais deux bols, je mets deux bols de sucre et je double la quantité en eau dans quatre bols d'eau. Je rajoute de la cannelle, du beurre ou du semaine, du citron et puis bien sûr un peu de mazhar. Pour ce soir, un des plats préférés de Enzo, filet de saumon avec une bonne croûte panko citronnée et bien épicée. Je crois que je vous ai mis déjà la recette en story à la une, sinon je vais vous la reposter, maman. Quoi au menu chez vous ce soir? Moi, ça va être roulé au poulet haché, farci aux épinards et au fromage. Et comme sauce, il me reste tajine zitoun avec des carottes. Donc, ça va être ça la sauce.